And you know that I got a girl that your man and I'm like, you gonna still work with him. So what you think I felt? Not a beef, it's just growing. I was trusting my brother, but he did things that I thought he would never do. He will slump anyone in any relationship for a dollar. Could have shared the R. Kelly video that everybody's talking about, made fun of it, and said, yo, Jay's hanging out. Can't tell me Jay didn't see a 14-year-old girl come in the studio and sit on R. Kelly's lap. Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Un sujet assez sérieux puisque après ma vidéo de P. Diddy, vous avez été nombreux à me demander de vous expliquer pourquoi Jay-Z est de moins en moins apprécié. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Pourquoi Jay-Z est autant associé à P. Diddy? J'ai enfermé un chat là-dedans ou quoi? Non, il y a personne là-dedans. Pourquoi Jay-Z est autant associé à P. Diddy, à Jeffrey Epstein, à R. Kelly? Et c'est vrai que quand je vous ai sorti la vidéo de Jay-Z et Beyoncé, on avait déjà creusé sur des choses assez problématiques. Mais c'est vrai que Jay-Z est beaucoup associé à ces personnes en question. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer. Et n'oublie pas de vous abonner, très important, parce que cette vidéo, elle risque d'être démonétisée comme celle de P. Diddy et comme toutes celles que j'ai fait avant où je traite ces sujets-là. Donc, juste abonnez-vous pour donner de la force. Un petit commentaire pour l'algorithme et on attaque donc cette vidéo. Sean Corey Carter, plus connu sous le nom de Jay-Z, est donc né à Brooklyn, à New York, et il a actuellement 54 ans. Tout au long de son enfance, il a dû traverser plusieurs problèmes, car il venait d'une famille assez pauvre, il y avait beaucoup de tensions dans le quartier où il habitait, mais aussi dans sa maison, au point que, voilà, Jay-Z l'a raconté dans une interview qu'il y a eu un incident dans sa maison où il a tiré sur son frère, alors que Jay-Z n'avait que 12 ans. Alors il va dire que son frère volait des bijoux dans la maison pour les revendre et acheter du crack. Et du coup, Jay-Z, ben voilà, il a tiré sur son frère alors qu'il avait 12 ans. Mais c'est vrai que Jay-Z a toujours trouvé du réconfort dans la musique dès son plus jeune âge. Il a donc été influencé très tôt par le hip-hop et le R&B dans les années 80-90. Et dans les années 80-90, il a commencé à travailler avec des personnalités très marquantes du hip-hop, comme par exemple Biggie. Mais voilà, avance rapide dans le temps, on sait tout ce qui s'est passé. Biggie est mort, Pac, il est mort. Et la question en suspens était qui serait le prochain gros nom dans le monde du rap. On le sait que Jay-Z, il a réussi. On le sait que Jay-Z, il a percé. Mais ses débuts, c'était pas tout rose parce qu'il a mis très longtemps à signer dans un label parce que ben, personne voulait de lui. La personne qui va signer Jay-Z est donc son meilleur ami parce que son meilleur ami croyait en lui et il s'appelle donc Damon Dash. Damon Dash disait toujours dans les interviews que sa relation avec Jay-Z n'était pas seulement professionnel. Les deux étaient des vrais amis, des amis pour la vie, au point qu'ils se considéraient vraiment comme des frères. Enfin, Damon le considérait comme ça parce que l'avenir va nous dire des choses assez... Et ensemble, ils ont développé le label Rockefeller Records, qui a été donc le premier label géré par Jay-Z dans le seul but de signer Jay-Z et lancer la carrière de Jay-Z. Pour Jay-Z, c'était vraiment le rêve parce que Damon avait quand même un pied dans l'industrie. Jay-Z, lui, il avait travaillé avec des personnes qui ont percé, mais il n'avait pas vraiment commencé sa carrière, il n'avait pas beaucoup d'argent non plus. Donc Damon, c'était parfait. C'est un homme d'affaires, c'est un producteur de musique, acteur, réalisateur américain. Et c'est sur ce label, du coup, que Jay-Z a sorti son premier album, le classique, voilà, je vais pas essayer de le dire parce que je vais écorcher le nom, qui va vraiment le propulser. Et comme je vous disais, Damon parlait vraiment de Jay-Z comme son frérot, qu'il était fier de ce qu'il accomplissait. Vraiment, à chaque fois qu'il parlait de Jay-Z, c'était pour le mettre sur un piédestal. Jay's my best friend. I'm not ashamed to say it. Mais Jay-Z, et apparemment, il voyait pas vraiment les choses comme ça. Apparemment, pour Jay-Z, c'était que du business et c'était une personne extrêmement calculatrice, faisait tout en pensant à l'argent. Everybody that knows Sean Carter knows that he will slump anyone in any relationship for a dollar. En ce qui concerne son entourage, il voulait toujours fréquenter des personnes qui pourraient lui apporter quelque chose à sa carrière dans l'avenir. Et comment je sais ça? Ben, pour vous parler de ça, il faut que je vous parle d'une autre personne. Et cette personne, c'est donc Aaliyah. Aaliyah Dana Houghton est donc une actrice et donc une chanteuse qui a une
carrière assez courte, mais extrêmement marquante dans la musique et la culture américaine. Elle a lancé à 15 ans l'album Age Ain't Nothing But A Number en 1994. En français, c'est mieux, l'âge n'est rien d'autre qu'un chiffre, en faisant sûrement référence qu'elle était très jeune quand elle a lancé cet album, mais quand on sait ce qui va lui arriver, ça peut presque avoir un double sens. Alia, elle avait vraiment tout pour réussir et elle va vraiment exploser. Toutes les filles la trouvaient belle, tous les garçons la trouvaient hyper fraîche, elle savait danser, elle savait chanter, elle savait tout faire. Et une fois le pied là-dedans, elle va commencer à sortir avec une personne qu'elle avait seulement 12 ans. Et à l'âge de 15 ans, elle va se marier en secret, ok, avec cette personne. La personne avec qui elle va se marier, c'est pas moins que R. Kelly. Le même R. Kelly, donc, qui est condamné à 20 ans de prison pour pédopornographie et plein d'autres choses en 2024. Donc, ça annonce la couleur de quoi on va parler dans cette vidéo. R. Kelly l'a découverte et il a commencé à l'aider dans sa carrière, mais il voulait plus que ça. Il a donc commencé à sortir avec elle et ils se sont donc mariés en secret, comme je vous ai dit. Elle avait donc 15 ans quand elle se marie avec lui, et lui, il avait 27. On va apprendre plus tard qu'elle a beaucoup souffert dans les mains de R. Kelly, qu'il était abusif avec elle, qu'il a manipulé, qu'il l'isolait de son entourage, et donc qu'il a abusé sexuellement d'elle. What did you see? Things that an adult should not be doing with a child. Au bout de 3 ans, du coup, elle a décidé de le quitter, un peu quand elle a commencé à grandir, parce que c'est qu'une enfant à 15 ans, et elle commence à se rendre compte qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et après ça, elle va croiser donc la route de 2 personnes, qui sont donc logiquement Damon et Jay-Z. Et c'est donc là qu'elle va commencer à bosser avec eux. C'est pour ça que je vous ai tout raconté par rapport à R. Kelly, mais c'est très très important, R. Kelly dans l'histoire, c'est très important, vous allez voir. À ce moment-là, Jay-Z, du coup, et Damon, ils vont avoir un crush pour elle. Mais Alia, elle va avoir une attirance vers Damon et non vers Jay-Z. Et ils vont se mettre ensemble par la suite et plus la relation avançait dans le temps, plus elle va commencer à lui confier des choses et donc lui confier des choses sur son expérience dans l'industrie. Et elle va donc lui parler d'une personne en question et Damon va donc apprendre des choses sur le monstre qui était en réalité R. Kelly. Alia, elle se confie à lui en disant qu'elle n'était pas prête à en parler publiquement, qu'elle voulait que personne soit au courant. We talked about it up to the point where it hurt. And then she said, I don't want to talk about it no more. Leave it alone. I would have to respect her wish no matter what. Like the first kind of time that she had found this kind of peace and happiness. And the same thing for me. Il va respecter ça, même si lui, il voulait dénoncer R. Kelly publiquement, il voulait que tout le monde soit au courant et qu'il soit puni pour ce qu'il a fait. Mais il va pas le faire, il va respecter son choix, mais il va en parler à Jay-Z, parce que c'était son meilleur ami et c'était quelqu'un de très proche de Alia, ils bossaient ensemble. Mais voilà, on est en 2001 et il va se passer quelque chose de tragique, c'est que Alia va décéder dans un crash d'avion. Un jet privé l'a ramené du Bahamas, elle était là-bas pour un tournage, mais malheureusement son avion va tout simplement se crasher. Et désolé, mais cet accident c'est hyper hyper étrange. Faut savoir qu'elle était là-bas donc pour enregistrer des scènes pour un film, si je dis pas de bêtises, et elle voulait pas y aller. Elle voulait pas y aller, mais ils ont insisté, et il y a même Lenny Kravitz qui lui a envoyé un avion pour qu'Alia rentre plus tôt après le tournage. Beaucoup de personnes disent qu'il a fait ça parce qu'il avait un mauvais pressentiment, parce qu'il savait que quelque chose se tramait. Mais personne n'a dit à Alia qu'on lui avait envoyé un jet privé. Alors les rumeurs disent que du coup on l'a drogué et qu'on l'a mis dans un autre jet privé avec soi-disant la personne qui pilotait l'avion, qui avait pris de la coke et qui était totalement défoncée. Et l'avion s'est crashé. Et la personne qui a pris l'avion, le jet privé envoyé par Lenny, c'était le réalisateur du film, de la vidéo sur laquelle Alia bossait. Ce Lenny envoie un jet privé pour Alia et Alia ne prend pas ce jet privé et c'est le réalisateur en question qui le prend. Pourquoi elle n'est pas rentrée avec Alia sur l'autre jet privé, celui qui s'est crashé? Donc beaucoup disent qu'elle a été éliminée parce qu'elle commençait à parler. Est-ce que quelqu'un a été mis au courant que Alia en avait parlé à Damon, sachant que Jay-Z connaît R. Kelly? Est-ce que Jay-Z a peut-être poucave? Qu'est-ce qui s'est passé? Damon a été dévasté comme tout le monde. Mais la deuxième chose horrible, c'est que à peine 6 mois après la mort d'Alia, Jay-Z va donc annoncer un album en collaboration. Et cet album, c'est avec pas moins que R. Kelly. Je pense que vous avez compris à quel point c'est grave. How do you deal with that when someone you respect does that you that I got a girl that your man and like you gonna still work with him? So what you think I felt? Right. But I had to look the other way. And because my girl said leave it alone, I left it alone. Damon, bien sûr, se sentait extrêmement trahi. Ça a évidemment créé un fossé énorme entre les deux. Et
on dirait presque, d'après les gens, hein, que c'est ce que Jay-Z voulait pour commencer à couper les ponts avec Damon. Beaucoup disent qu'il voulait couper les ponts pour des raisons d'ego, parce que Jay-Z n'a soi-disant jamais accepté que Alia ait choisi Damon et pas lui. Like, I don't you wanted to get away from your homie, if you wanted to get away from your partner, but to do it the way he did it, it's malicious. But maybe that was because he girl that didn't want you. Oh. You know, I guess Jay was, he was sending flowers and he was courting. Et aussi pour des questions d'argent, que Damon commençait à être un peu relou sur certains choix, que des fois Jay-Z voulait faire ça avec le label et Damon n'était pas d'accord, et du coup ça crée des conflits. Alors Jay-Z a commencé à planifier des réunions où Damon n'était pas présent. Il y a plusieurs vidéos où on voit Damon qui rentre dans les réunions en question et qui crie en comprenant pas pourquoi il n'a pas été invité. Talk all you want. This is treacherous. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm sick of this shit. I'm sick of this shit. Always leave when y'all ain't got shit to fucking say. So if y'all want to talk about Jay, we're gonna reschedule, man. What the fuck you mean y'all gonna reschedule? We're gonna reschedule, man. What you mean you're gonna reschedule? You get the fuck out. You're not a leader. You don't know shit about my culture. Get the fuck out. Fuck, y'all niggas having meetings about my artist without calling me. Get off the bullshit. It ain't no bullshit. Get off the bullshit. It ain't no bullshit. You're a coward. You're a coward. Let's go back to our office. Damon, il était dans l'incompréhension, sans parler que oui, il avait un pied dans la musique, mais il a vraiment lancé ce label pour aider Jay-Z, pour aider son pote. Donc pourquoi son pote Jay-Z lui fait ça? Et du coup, ben, c'est vrai que voilà, il va vraiment laisser tomber l'affaire et il va totalement laisser le label à Jay-Z. Et Jay-Z a donc pris ce que lui et Damon ont construit et l'a transformé en son empire. Parce que c'est vrai qu'on parle de Jay-Z, très peu de personnes savent qu'il était associé donc à Damon et qu'il a été énormément aidé par quelqu'un. Vous voyez, il a pas eu tout ça tout seul. Et aujourd'hui, on sait qu'il est devenu l'un des premiers milliardaires dans le monde de la musique. It was more friendship for me and money for him. He did things that I thought he would never do. Kind of beef is just growing, and sometimes growing means growing apart. It's part of life. Mais revenons donc à Damon. C'est vrai qu'il était extrêmement dégoûté de tout ce qu'il a vécu dans l'industrie. Il voulait tout balancer, que ce soit R. Kelly et Jay-Z. Là, ça, il pouvait faire une pierre deux coups. Mais c'est vrai que d'un côté, il avait le fantôme de sa copine qui lui avait demandé de garder cette promesse et de ne jamais révéler le fait qu'elle avait été par R. Kelly dans ce mariage, mariage qui était quand même assez secret. Et ce n'est que lorsque le documentaire Surviving R. Kelly est sorti, dans lequel plusieurs victimes ont été interviewées, que Damon va décider de prendre la parole pour avoir sa vengeance, parce qu'il va dire que ces victimes en question ont eu le courage de s'exprimer, et il va dire que si Alia était vivante dans cette nouvelle génération avec le mouvement MeToo, tout ça, c'est sûr qu'elle se serait exprimée. Et il va aussi dire que c'était important donc de soutenir ces femmes en question. Time for us to take responsibility. You know, I watched some of it yesterday. There was a girl, and when she was even trying to talk about it, she couldn't. Yeah. And I remember Leah trying to talk about it. C'est vrai que je n'ai jamais fait de JVDT sur R. Kelly. C'est un sujet très sensible pour moi. J'avais commencé le script, mais j'ai dû l'arrêter parce que j'ai pas pu poursuivre mes recherches. Enfin, je connais très bien l'histoire. Mais pour moi, d'en parler et d'aller en profondeur sur tous les témoignages, c'est absolument pas possible. Mais le nombre de vies que cet homme a détruit pendant tant d'années, parce que... Énorme résumé, petit rappel, R. Kelly, en septembre 2021, il a été reconnu coupable d'avoir dirigé pendant des années un système d'exploitation sexuelle avec des majeurs, mais aussi des mineurs, des enfants et des adolescentes. C'était la première fille et personne ne me croyait. Il R. Kelly dirigeait donc un réseau qui recrutait et préparait des jeunes filles à avoir des relations avec lui, les enfermant dans leur chambre d'hôtel quand il était par exemple en tournée. Il leur demandait de porter des vêtements très amples quand elles n'étaient pas avec lui, donc quand elles étaient de retour dans leur vie normale, il voulait qu'elles portent des vêtements amples, qu'elles montrent pas leur... Il leur disait de garder la tête basse quand elles étaient devant lui et de l'appeler Daddy. Voilà, au tribunal, le chanteur, il a donc été accusé d'avoir abusé de 6 femmes, dont des mineurs. Il y en a beaucoup plus, mais malheureusement, toutes n'avaient pas des preuves, parce que c'est compliqué d'avoir des preuves dans le viol. Hein. En juin 2022, il a donc été condamné à 30 ans de prison. Ils vont faire appel. Et donc là, en avril 2024, il a été définitivement condamné à 20 ans de prison pour pédopornographie et plein d'autres chefs d'accusation. Et dites-vous que les premières accusations contre R. Kelly remontent à plus de 20 ans, puisque oui, c'est pas nouveau, en 2002, il avait donc été inculpé pour avoir filmé des actes
sexuel entre lui et une jeune fille de 14 ans. Une fois assez importante quand ça se passe, donc quand R. Kelly il est accusé d'avoir abusé de cette jeune fille de 14 ans, c'est également la même année où Jay-Z a décidé de collaborer avec. Donc Jay-Z sait qu'il est accusé de pédophilie, Jay-Z sait que R. Kelly il a donc violé la copine de son meilleur pote et il va quand même décider de faire un album avec, même deux, il y aura un deuxième album dans le futur. Et aussi quand Jay-Z va être interrogé sur ça, il va dire qu'il n'était pas là, qu'il était au courant absolument de rien. Et par la suite, il y a des personnes qui vont dire que Jay-Z le savait. Par exemple, il y a le chanteur rappeur Nas qui va donner un interview radio, il va dire que Jay-Z était au courant que cette fille de 14 ans est venue puisque Jay-Z était là. Il a eu un procès tout ça, mais il a été finalement acquitté en 2008. D'ailleurs, pendant son procès là, le juge va dire: pendant des années, Robert Sylvester Kelly a commis des violences sur des jeunes filles mineures en utilisant un schéma complexe pour faire taire les victimes. Il a longtemps esquivé les conséquences, mais ses crimes l'ont enfin rattrapé. Donc, revenons sur R. Kelly et Jay-Z. Je pense que vous comprenez quand même la gravité des choses et aussi les choix que Jay-Z a fait dans sa vie. Et on voit que Jay-Z, voilà, il a fréquenté ces personnes pas fréquentables. Il était très proche de R. Kelly. R. Kelly a pris de la prison. Jay-Z, il a disparu petit à petit. Voilà, on le voit plus. Ensuite, Jay-Z fréquentait P. Diddy. Il était très proche de P. Diddy. P. Diddy qui est aussi accusé de choses très graves. D'ailleurs, en ce qui concerne P. Diddy, littéralement aujourd'hui, il y a la vidéo qui est sortie. Je vous en ai parlé dans cette JVDT où P. Diddy frappe Casey, son ex. Il y a la vidéo qui vient de sortir. On est le 19 mai, je suis en train de finir le montage. P. Diddy a mis une vidéo d'excuses par rapport à la vidéo de Cassie. Je vais vous mettre la traduction du coup. Et je vais d'ailleurs l'écouter en même temps que vous. Parce que je me demande qu'est-ce qu'il a pu bien dire. Je suis désolée, j'ai changé, je suis un homme différent. So difficult to reflect on the darkest times in your life. Sometimes you gotta do that. I was fucked up. I mean, I hit rock bottom, but I made no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. Disgusted. I was disgusted then when I did it. I'm disgusted now. I went and I sought out professional help. I had to go into therapy and go into rehab. I had to ask God for his mercy and grace. I'm so sorry, but I'm committed to be a better man each and every day. I'm not asking for forgiveness. Truly sorry. Tout ce que j'ai à dire, c'est que comment P. Diddy, on est censé croire en ta sincérité quand tu t'excuses avec 8 ans de retard. Ça fait plus je m'excuse parce que la vidéo a fuité et pas je m'excuse parce que je suis sincèrement désolée quoi. Mais bon, je suis pas étonnée, je m'attendais exactement à ce discours. P. Diddy maintenant il est dans la sauce. Jay-Z petit à petit il disparaît aussi. Et je suis désolée mais vous pouvez pas me dire que Jay-Z n'était pas au courant. Il savait que ces hommes, des femmes et des enfants, ils savaient sûrement qu'il y avait tout un trafic. Tu peux pas ne pas savoir. Et tu le savais, je présume, hein, et t'as quand même décidé de garder ces personnes dans ton entourage. R. Kelly was the first corporately sponsored pedophile. Everybody knew. They are, you know, very close to, if they haven't already crossed the line with that, and I think it should be looked into what they're doing. Et c'est donc pour ça que les gens disent que Jay-Z c'est le prochain à tomber. Je dis pas que Jay-Z a abusé de femmes ni d'enfants, mais on est libre quand même de questionner les choix qu'il a toujours fait. Il aurait pu rester avec son pote Damon, être fidèle à son ami, mais non, il a préféré collaborer avec un violeur. Trusted my brother, but he did things that I thought he would never do. Un sujet qui revient beaucoup en ce qui concerne Jay-Z, c'est son attirance aussi vers des mineurs. Alors déjà en ce qui concerne Beyoncé, je vous ai fait une vidéo vraiment sur leur relation, comment ça a commencé. Et on sait que leur relation a commencé quand Beyoncé avait 19 ans et Jay-Z avait déjà 31. Alors ça c'est la meilleure version parce qu'il y a des versions qui disent qu'il a commencé à la fréquenter quand elle avait 16-17 ans. Donc voilà, bon 19 ans t'es majeur. Mais si on revient en arrière, beaucoup en arrière, on trouve quand même des sacrées choses et des sacrés écartages qui sont beaucoup plus choquants que 19-31. Et là, on parle vraiment d'enfants. On va commencer par donc Tyra Marie. Nous voilà donc en 2005. Et à l'âge de 16 ans, Jay-Z va donc la signer et elle va donc sortir son premier album. Il y a beaucoup de personnes dans le milieu qui disent que les deux ont une relation pendant qu'il était en break avec Beyoncé, puisqu'à ce moment, il était en couple. Petit détail, elle a 17 ans, donc elle est mineure et lui, il en a déjà 36. 17,
36. Donc voilà, bref, soi-disant, ils ont eu une relation cachée, elle va sortir son album qui va être assez correct, puis plus rien. Elle va littéralement disparaître. Quand on lui a demandé des années plus tard pourquoi il n'y a pas eu de deuxième album, et elle va dire qu'elle-même, elle ne sait pas. Voilà, elle était tranquillement chez elle et un jour, elle a reçu un coup de fil en disant, un coup de fil du label, le label de Jay-Z, en disant qu'il ne souhaitait pas poursuivre avec elle, que voilà, le deuxième album qu'elle avait signé, il l'a annulé. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc appeler Jay-Z, parce qu'elle va dire qu'elle le considérait comme un deuxième père. Un peu glauque de dire ça s'ils ont bel et bien une relation, parce que voilà. Mais en tout cas, elle va donc l'appeler et Jay-Z va donc lui dire qu'ils vont pas renouveler avec elle parce que le premier album n'avait pas marché. Les chiffres n'étaient pas ouf, mais ce que je me dis dans ce cas-là, si les chiffres n'étaient pas ouf, pourquoi est-ce que tu as signé pour un deuxième album? Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui pensent que peut-être ils ont bel et bien eu une relation et que vu que c'était pendant un break avec Beyoncé, Jay-Z s'est remis entre-temps avec Beyoncé et il n'avait pas le choix que de se séparer d'elle parce qu'il ne pouvait pas bosser avec elle alors qu'ils ont une relation et qu'il s'est remis avec Beyoncé. Et il y a même des gens qui disent que par la suite, Jay-Z l'a totalement blacklisté parce qu'aucun label n'a jamais voulu signer d'elle à nouveau. On revient encore plus en arrière, et on est donc en 1997. Les gars, je suis désolée si le cadrage est bizarre, mais j'ai un problème, je n'arrive pas à fixer mon trépied, donc je dois être un peu loin, parce que je peux pas baisser plus, sinon ça fait bouf, comme dans la dernière vidéo. Oui, donc je disais, on revient donc un peu plus en arrière, on est donc en 1997, et on va parler donc de Foxy Brown. Elle a donc commencé le rap quand elle avait seulement 14 ans, et celui qui l'a énormément aidée, c'est donc Jay-Z. Ils vont sortir en feat ensemble. Foxy Brown va dévoiler pas mal de choses. Donc elle va dire que Jay-Z au début était très gentil avec elle, qu'il l'emmenait absolument partout faire du shopping, lui faire ses cheveux, ses ongles, alors qu'elle allait encore au collège. Mais en contrepartie, il va soi-disant lui demander des faveurs sexuelles. Elle va dire que finalement, il va prendre sa virginité quand elle avait 15 ans et lui 28 ans. Ok. Et par la suite, elle va aussi dire qu'il lui avait refilé une MST et elle va aussi dire que Jay-Z est en réalité homosexuel et attiré par des hommes très très efféminés. Mais voilà, Foxy, elle a jamais été trop prise au sérieux parce que elle avait des soucis de santé mentale et du coup, elle prenait des médicaments, tout ça pour aller mieux. Mais il décrédibilisait beaucoup son témoignage à cause de ses soucis de santé mentale. Et ça s'arrête pas là parce qu'il y a un autre sujet aussi qui fait beaucoup parler en ce qui concerne Jay-Z, c'est qu'il a des enfants éparpillés partout dans le monde. Et c'est un autre sujet, mais ça va rejoindre le sujet que Jay-Z kiffe des mineurs. En ce qui concerne ses accusations qu'il a des enfants un peu partout dans le monde, il y en a beaucoup, beaucoup, donc je vais pas trop approfondir. Mais là, en 2023, par exemple, il y a eu un homme, il a 30 ans, et cette histoire, c'est pas nouveau, mais il est donc en bataille juridique avec Jay-Z depuis une dizaine d'années parce qu'il veut que Jay-Z fasse un test parce que il est persuadé que Jay-Z, c'est son père. Sa mère, qui s'appelle Wanda, elle a eu une relation avec Jay-Z il y a très très longtemps, donc en 1992, avant qu'il soit connu. Et Jay-Z avait 22 ans à ce moment-là et Wanda, elle avait quel âge? Elle avait 16 ans. Alors, elle a pas mis le nom de Jay-Z sur le certificat de naissance parce que voilà, il voulait pas de cet enfant, Jay-Z, et elle va mettre le nom donc de son petit ami à l'époque avec qui elle était, qui était là pour l'accouchement. Donc Jay-Z n'est pas sur le certificat de naissance, mais quand ce garçon il a grandi, sa mère va donc avouer à son fils que son père c'était donc Jay-Z. Donc il va faire plusieurs demandes pour que Jay-Z fasse un test de paternité. Il va faire 3 fois la demande qui va être refusée à chaque fois. L'équipe juridique de Jay-Z va dire que à cette période, donc en 92, Jay-Z n'avait pas de maison dans le New Jersey, donc c'est impossible qu'il ait couché avec cette femme parce qu'il n'avait pas de propriété au New Jersey. Donc moi ça veut dire que j'habite à Toulouse. Ben c'est impossible que j'ai couché avec un mec de Paris ou de Lyon parce que j'habite à Toulouse. Enfin, c'est n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire? De toute façon c'est n'importe quoi parce que je suis en couple. Mais vous voyez ce que je veux dire par là. Jay-Z va lui proposer de l'argent pour que ce garçon laisse tomber. Chose qu'il va refuser, ce garçon va refuser parce qu'il va dire que ce n'est pas question d'argent, il veut juste savoir qui est son père. Ce que je trouve totalement ouf, donc ça veut vraiment dire que le mec veut juste savoir si c'est son père ou pas. C'est hyper triste et tout le monde se dit, Jay-Z fait le test. Et en fait, la raison pour laquelle Jay-Z ne fait pas le test, c'est parce que si le test s'avère être positif, ça voudrait dire donc qu'à 22 ans, il a couché avec sa mère, Wanda, et sa mère, elle avait quel âge? 16 ans. Donc ça
peut se retourner contre lui. Et soi-disant, c'est pour ça que Jay-Z ne fait pas le test. Donc, une fois de plus, on a Jay-Z qui s'intéresse à une mineure. Bon, là, 22, 16 ans, peut-être ça vous choque pas. Mais tout à l'heure, on avait quand même 14 ans, 32. Des choses comme ça. Et franchement, c'est pas le seul, ça va aller très vite. Mais par exemple, en 2011, il y a eu une rumeur qui rapportait que Jay-Z avait eu un enfant avec une mannequin, Chanel Scott, et qu'il aurait donné $1 million à cette mannequin pour ne pas être sur le certificat de naissance. À ce moment-là, il est donc en couple avec Beyoncé. En 2020, il y avait aussi une fille qui va dire que Jay-Z c'était son père. Elle va faire une vidéo avec plein de preuves, des photos de sa mère avec Jay-Z. Voilà, franchement, des cas comme ça, il y en a plein. Et dans toute cette histoire, ben, on va donc parler de Beyoncé. Et oui. Comme je vous ai dit, je vous ai déjà fait une JVDT sur Jay-Z et Beyoncé qui est sortie la semaine dernière. Mais c'est vrai que du coup, tout le monde se demande pourquoi Beyoncé reste avec Jay-Z. Entre tout, entre les tromperies, entre les enfants cachés et maintenant que Jay-Z soit relié à P. Diddy et dans le passé à R. Kelly, pourquoi Beyoncé resterait avec lui? Il y a des fans qui vont commencer à dire que Beyoncé était dans une relation abusive, que Beyoncé était en danger. Il y a carrément le hashtag FreeBeyoncé qui va monter en top tweet à un moment parce que soi-disant elle était sous son emprise et qu'elle voulait pas le quitter. Alors je pense que je peux pas dire si Beyoncé est vraiment en danger, mais je pense que les fans préfèrent se persuader de ça plutôt que de Beyoncé, que reste quand même avec lui malgré que ce soit quelqu'un de problématique, vous voyez. D'autres personnes disent que Beyoncé a peut-être peur de divorcer vu l'entourage et la puissance de Jay-Z. D'autres disent que Beyoncé est aussi pourrie que lui pour rester avec lui en sachant toutes ces choses que je viens de vous raconter. Si Jay-Z tombe, elle aussi elle tombe et elle préfère rester avec malgré le personnage pour garder son image, parce que c'est vrai que Beyoncé et Jay-Z, si tu creuses pas, on dirait que c'est le couple post-bad, ils sont ensemble depuis hyper longtemps, ils sont trop beaux, ils ont des enfants, nanana. Mais quand on creuse, il y a des choses, il y a de la tromperie, il y a Jay-Z qui assume qu'il se fait tromper, il y a Beyoncé qui accepte de se faire tromper, et qui veut d'une relation parfaite. Donc bon, ils cachent bien leur jeu, parce que si on creuse pas, on ne sait pas tout ça. Donc c'est vrai que voilà, même Beyoncé, elle est un petit peu dans la sauce, surtout parce que, comme je vous ai dit, le procès de R. Kelly, c'était donc là, en avril 2024, donc le sujet est un peu revenu sur la surface, enfin le sujet est revenu dans l'actualité, et du coup le fait que Jay-Z a mis à l'envers Adémone en se rapprochant de R. Kelly revient aussi à la surface, et il y a aussi la proximité de Jay-Z avec P. Diddy. P. Diddy, c'est aussi récent, en plus là, il y a la vidéo de P. Diddy qui frappe Casey, qui vient sortir aujourd'hui. Donc on parle une fois de plus de Jay-Z qui fréquentait R. Kelly, qui a été condamné, et P. Diddy qui le sera peut-être. C'est donc ainsi que je finis cette JVDT. Une fois de plus, il y a des choses, il y a des preuves, il y a des choses qui n'y a pas de preuves. Mais vous voyez, par exemple, on prend P. Diddy, personne croyait Cassie. Tout le monde disait, ouais, trop bizarre, la meuf, elle a rien dit pendant des années. Et une fois que Cassie, elle décide de l'amener devant un tribunal, elle se retracte hyper rapidement et elle décide de passer un accord avec P. Diddy. Et du coup, tout le monde disait qu'elle mentait. Tout le monde remettait sa parole en question. Mais voilà qu'il y a la vidéo qui est sortie et c'est bel et bien vrai. C'est juste que ces personnes doivent avoir peur. Enfin, affronter quelqu'un qui a abusé de vous, c'est quelque chose d'effrayant. Si vous l'avez pas vécu, vous pouvez pas le comprendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je préfère toujours croire la victime. Bien sûr, je me renseigne toujours un peu plus. Mais en ce qui concerne Jay-Z, le fait qu'il côtoie toutes ces personnes, c'est à se poser des questions. C'est à se poser des questions sur qu'est-ce qu'il a vu. Et aussi, en fait, est-ce que t'as envie de soutenir une personne qui est comme ça, qui accepte que son entourage soit comme ça? Donc franchement, j'étais très contente de faire ces recherches et de pouvoir en savoir plus sur lui. J'espère en tout cas que cette JVDT vous aura plu. On se retrouve dans les commentaires et j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Soyez polis dans les commentaires. Je veux bien qu'il y en a qui soient pas d'accord avec tout ce que je vous ai dit. Je peux comprendre que ça peut choquer des telles accusations alors qu'il n'y a pas toujours des preuves. Mais une fois de plus, P. Diddy avait pas de preuves et finalement les preuves, elles étaient là, mais elles étaient juste pas sorties. Donc peut-être ça sortira. Je fais plein de bisous. Beijo, tchau.